Bonjour à tous, Skyrock présente dès aujourd'hui le Sky Morning, la toute nouvelle émission du matin 6h-10h présentée par William. Ouais. Bonjour à tout le monde, ici William pour le Sky Morning, toute nouvelle émission de Skyrock, 6h-10h, ce sera tous les matins. Voilà, avec du très très lourd, double appel, le retour, appel virtuel et tout de suite c'est les news. Et on commence aujourd'hui par une petite pensée, voire une grosse pensée pour Pierre Bélanger, le PDG de Skyrock depuis 12 ans, qui fête aujourd'hui son anif, 40 ans toutes ses dents. 40 ans. Et on peut le dire, hein, il est fait pas ni physiquement ni dans sa tête. Alors bien sûr, bon anif Pierre, n'oublie pas mon augmentation. Et puis surtout, enlève tes Santiago. Évidemment. Mais des baskets, ça te fait. Il en a encore des Santiago. Ça a chauffé cette nuit dans certains quartiers de Toulouse avec des affrontements entre les jeunes et la police, voitures brûlées, commissariats incendiés et consorts. Ces incidents ont quand même été déclenchés par la mort d'un jeune de 17 ans tué par une balle de la police qui serait parti accidentellement, comme par hasard ou comme par un fait exprès. Je vous laisse seul juge. Ça plane toujours au Front National et c'est toujours au niveau des pâquerettes. Hein. Jean-Marie et Bruno se sont copieusement insultés hier par médias interposés. Le Maigret dit maintenant qu'il a assez de signatures de membres pour convoquer un sommet extraordinaire. Histoire de devenir fureur à la place du fureur, Le Pen lui a déclaré sur TF1 que son ex-secrétaire général était non seulement un menteur, mais aussi un raté. Ces deux-là, ils ne peuvent pas s'empêcher de s'aimer. Hein. Et aujourd'hui, réunion du bureau politique, inutile de vous dire que Maigret n'a pas reçu de carton d'invitation, évidemment. On reste dans le scandale avec la corruption qui toucherait aussi le CIO, le comité olympique dont certains membres auraient reçu des pots de vin pour soutenir certaines villes candidates. On parle quand même de millions de dollars. Certains auraient même eu droit à une Ferrari pour soutenir la candidature de Sestriere en Italie. Apparemment, la corruption, c'est comme l'olympisme. L'important, c'est de participer. Hein. Un mot pour féliciter le comité Miss France qui a élu ce samedi Miss France 99. Elle est belle, elle a 19 ans. Elle s'appelle Mareva et elle vient de Tahiti, en Polynésie française. Et pour commencer sa nouvelle vie de Miss, le comité lui a offert une semaine de vacances à Tahiti. Et oui, elle est, paraît-il, ravie. Hein. Pas dépaysée. Pas dépaysée. Pas vraiment ravie. Pour terminer, cet homme d'affaires londonien de 25 ans, en boîte, il rencontre deux superbes blondes hyper sexes qui lui proposent d'aller à l'hôtel pour faire des trucs un petit peu dégueu à trois. Tu fais bien. Attends, on va faire des blondes. Tu viens à l'hôtel avec nous pour faire des trucs dégueu à trois. Pour faire des trucs dégueu à trois. C'est bon. Non, pas du tout. Donc là, ils vont à l'hôtel, elle l'attache et elles lui font avaler de force une bonne grosse dose de Viagra. Oh. Et là, elles l'ont violée toute la nuit avec des jeux sexuels dont je préfère pas parler à 8h30. Elles n'ont laissé qu'une seule inscription sur la porte. L'escadron de viol au Viagra a frappé une nouvelle fois. Oh, c'est pas vrai. Alors, je voudrais dire à ces deux blondes qui habitent donc à Londres que moi j'habite à Paris. J'habite à Paris donc et que je suis prêt à me faire violer quand elles veulent. Hein. Et c'est pas drôle le viol, alors c'est pas la peine de dire non, ça. Mais attends, c'est traumatisant même pour un homme à mon avis. Ah. Mais elles étaient super bonnes. Et alors, si le mec avait pas envie. Des trucs, t'as rien à faire, t'es accroché. Est-ce que tu te rends compte qu'elles lui ont fait avaler une dose complète de Viagra, donc ça représente pas mal de pilules. Si le mec était cardiaque, il serait mort. Ouais. Il a arrêté toute la nuit. Hein, parce que c'est pas compatible le Viagra et les maladie cardiovasculaire. Il paraît qu'il est sorti de l'hôtel en se penchant, il n'arrivait pas à marcher normalement. Oh, alors lui, mais n'importe quoi. Merci, Michael. Bienvenue sur Skyrock, à l'instant c'était les news sur Sky. Et maintenant donc je vous présente cette toute nouvelle émission de Skyrock, ici William, donc je serai en compagnie de tous mes chroniqueurs. Je vous présenterai plein de nouveaux sons, des purs sons, et ce sera moi qui choisirai le son, ce sera pas le programmateur de Skyrock. Voilà, il y aura du très très lourd, le retour du double appel, voilà, appel virtuel, le retour, et plein de choses, des sketchs, des trucs comme ça, plein de trucs. Et vous les auditeurs, vous allez y participer aussi pour faire vivre cette émission. Donc je serai là, moi et mon équipe, pour vous réveiller tous les matins de 6h à 10h sur Skyrock. Voilà. Et concernant le son, et bien particulièrement aux autres émissions de Skyrock et aux autres émissions de toutes les autres radios, et bien ça ne sera pas la programmation de Sky qui choisira le son, mais ce sera moi. Ce sera moi qui choisirai le son. Qui passera dans cette émission. C'est un tout nouveau concept que je vous propose là. Voilà. Et le son d'ailleurs, pour la toute première, je vous propose un des tout premiers. Je suis obligé de faire ça car je suis un grand fan de Michael Jackson. Voilà. Et rest in peace Michael Jackson d'ailleurs. Je pense à toi, tu nous manques. Voilà. Je vous propose un des tout premiers titres des Jackson 5 qui s'appelle Big Boy. Donc voilà, tout de suite sur Skyrock, Jackson 5. Allez, Big Boy.
c'est voilà, c'est tout de suite sur Skyrock. Jackson 5, Big Boy, écoutez ça, c'est du très bon son. Voilà, Jackson 5, Big Boy sur Skyrock. Tous les matins, 6h, 10h, Sky Morning avec William sur Skyrock. Sky Morning, Sky Morning avec William sur Skyrock. Oui, bonjour à tous, 6h, 10h, la nouvelle émission de Skyrock maintenant, dès aujourd'hui, avec moi, William, et tous mes chroniqueurs. Voilà, on va commencer tout de suite par le retour d'un truc que vous attendiez tous sur Skyrock depuis très très longtemps. Le retour d'un truc, c'est un événement hein, que je suis en train de vous proposer là, c'est le retour d'un canular téléphonique que vous adoriez à l'époque. Voilà, c'était en 97, 98, 2000, 2001. Voilà, ça arrêtait là. Et c'est le retour donc du double appel. Le fameux double appel que je vous propose là maintenant. Voilà. Alors écoutez, tout de suite sur Skyrock, je vous propose le premier double appel tout de suite sur Skyrock. Voilà, allez, hop, 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 on y va. Allez, Florent. Tout de suite, les deux téléphones, tout de suite le premier double appel de Skyrock, écoutez. And there is one thing I would like.
Ben c'est qui? Ben vous devez savoir qui je suis si vous savez qui vous voulez mon mari. Comment il s'appelle mon mari? Ça va pas la tête, je viens de téléphoner là, je sais pas qui vous êtes moi. Oui ben pourquoi vous avez hein, appelé le prénom en plus? Vous voulez pas que j'appelle la gendarmerie non, peut-être un peu? Là on se tait là hein. Ah, on raccroche là hein. Allô? Passe-moi ton mari. Le mari, hein, le gamin qui est au téléphone, il a pas... Il a peut-être 17 ans, c'est tout ce qu'il a. Il a même pas de bonne femme, déjà une. Vous faites appel à qui? Ben, j'en sais rien, c'est vous qui m'appelez, alors. Hein. Ah non, j'en peux de personne. Ah tiens donc, où est mon œil? Faut peut-être pas que j'appelle la gendarmerie, non? Allez, bonne nuit. Oui, oh ben ça... Connard, ça va putain. De Dieu. Allô? 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 Oui. Eh ben, qu'est-ce que vous voulez? Ben, je vous écoute, hein. Ben, moi aussi. Vous me téléphonez, qu'est-ce que vous voulez? Raccroche. Allô? Rouge. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Nous sommes la famille Bat. On voudrait savoir ce que vous nous faites. La famille, quoi? Comment? Bon ben je vous écoute moi. Ah là on s'écrase hein. Hein? On dit plus rien là? On la ferme hein? Alors on répond plus là? On ne répond plus hein? Ah on a raccroché là. Tous les matins, 6h, 10h, Sky Morning, avec William sur Skyrock. Ouais, à l'instant c'était le double appel, donc le premier double appel, le premier du retour du double appel. Voilà, hein, parce que c'est pas le premier double appel qui existe, hein. Donc voilà, à l'instant c'est le premier du retour du double appel. Et sinon, hein, bah, je vous disais, le son c'est moi qui le choisis. Eh bien le son, on va s'écouter un deuxième son pour aujourd'hui et juste après on s'écoute un autre canular téléphonique. Ce sera l'appel virtuel. Voilà, je vous expliquerai. Voilà, et tout de suite le deuxième son de la journée sur Skyrock. Voilà, eh bien vous entendez derrière le son de Prodigy qui est là depuis tout à l'heure, depuis 6h. Eh bien je vais vous passer Prodigy tout de suite. Voilà. Prodigy, même son qui passe derrière que vous entendez maintenant. Alors Prodigy, c'est tout de suite sur Skyrock, hein, bien sûr. Allez, ciao, à tout à l'heure. Tous les matins, 6h, 10h, Sky Morning, avec William sur Skyrock. We'll be right back.
Morning avec William sur Skyrock. Ouais, ouais, bien sûr, à l'instant, voilà, c'était Prodigy, le son que vous entendez derrière. Et tout de suite sur Skyrock, comme je vous ai promis tout à l'heure, avant que je vous passe Prodigy, l'appel virtuel. Voilà, nouvelle rubrique encore, le retour, parce qu'il y avait déjà l'appel virtuel avant qu'on arrive, il y a quelques années. Voilà, et ça sera donc l'appel virtuel. Donc c'est quoi l'appel virtuel? C'est voilà, c'est en fait des haches d'émissions, de séries télé, de films, voilà, des haches d'une scène, voilà, d'un personnage. Voilà, on appelle quelqu'un, voilà, et on fait parler avec les voix qu'on a enregistrées de la personne, de l'acteur, bref. Et on fait parler, donc c'est une personne donc comme ça, voilà, et donc l'autre elle comprend rien du tout. Vous allez voir, on commence tout de suite par Jean-Claude Duss, oui, dans les bronzés font du ski, enfin dans les bronzés tout court aussi, hein. Voilà, on commence par lui, vous allez voir, c'est marrant ce truc. Tout de suite, l'appel virtuel sur Skyrock. Tous les matins, 6h, 10h, Sky Morning avec William sur Skyrock. Hôtel Marignane, aéroport, bonjour. Ah, bonjour. Oui. Donc, je plaisante pas, j'ai absolument besoin d'une chambre double pour ce soir. Hein. Une chambre double? Parce que j'aurais peut-être une copine éventuellement qui viendrait de Paris, enfin si ça se trouve. Oui. Alors, pour deux personnes, une nuit. Pourrais-je avoir votre nom, s'il vous plaît? Jean-Claude, et vous? Non, votre nom. Et Duss, avec un D, comme Duss. Voilà, vers quelle heure vous comptez arriver à l'hôtel, s'il vous plaît? Ah, bah oui, mais ça, j'en sais rien, parce que ça peut être ce soir, ça peut être demain, ou. Oui. Si vous étiez coincé sur une île déserte avec un type dans mon genre, vous tiendriez combien de temps? Je sais pas. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais parler des rapports humains, quoi. Comme quand on est dans un endroit exigu, comme un ascenseur, par exemple. Oui. Je veux dire que éventuellement, si vous étiez au bout du rouleau, on pourrait envisager de conclure. Bah oui, c'est sûr. Dis donc, je plaisante pas. J'ai absolument besoin d'une chambre double pour ce soir. Hein. Ça y est, elle est réservée. Voilà. C'est quoi vos prénoms? C'est Céline. Monsieur, moi c'est Jean-Claude, mon prénom. Ouais. Ben enchanté alors. Voilà monsieur. J'ai eu une année très difficile sentimentalement. Alors. Oui. Ouais, mais enfin moi j'ai eu une rupture. J'ai vécu avec une femme et puis au bout de 48 heures, elle a décidé qu'on se séparerait d'un commun accord. Alors j'ai pas bien supporté. C'est sûr. D'accord. Ça veut dire que éventuellement, si vous étiez coincé sur une île déserte avec un type dans mon genre, vous tiendriez combien de temps? Je sais pas. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, je voulais parler des rapports humains, quoi. Oui. Je veux dire que éventuellement, si vous étiez au bout du rouleau, on pourrait envisager de conclure. Non, parce que moi, généralement, moi je suis prise, donc à partir de là. Mais j'espère que vous allez conclure avec votre copine de Paris, que vous pourrez conclure demain soir. Ah bah oui. Voilà, monsieur, je dois vous laisser. Oh, j'espère que ça va pas durer longtemps, je vais être en retard, moi. Au revoir. Au revoir, madame, excusez-moi. Tous les matins, 6h, 10h,
Sky Morning, Sky Morning avec William sur Skyrock. Et ouais, ouais, on n'a pas encore tous les jingles de l'émission, donc on n'a pas encore les jingles de l'appel virtuel du double appel. Mais donc à l'instant c'était l'appel virtuel, tout à l'heure je vous ai mis le double appel. En son on s'est écouté les Jackson 5 et ensuite on s'est écouté les Prodigy. Voilà, que vous entendez donc aussi en musique de fond derrière, les Prodigy. Et voilà, vous êtes bien dans le Sky Morning. Voilà, donc avec moi-même, William et toute mon équipe, tous mes chroniqueurs, voilà. Donc juste après, prochain son qu'on va se faire là tout de suite, c'est une exclusivité Skyrock. Vous avez entendu ça sur aucune autre radio avant. Voilà, c'est moi-même, Willy Dalton, avec le titre HUP, HOP. Voilà, c'est une exclu Skyrock. Et après, on s'écoute, on va accueillir Pascal de Militaire, plutôt sur Sky. Pascal de Militaire, après. Voilà, vous allez voir, vous allez vous marrer avec Pascal de Militaire. Je vous en dis pas plus, maintenant, tout de suite sur Sky Rock, une exclu Skyrock avec Willy Dalton, moi-même, Willy Dalton. Voilà. HIP, HOP, c'est le titre. Voilà, HIP, HOP, Willy Dalton sur Skyrock. Tous les matins, 6h, 10h, Sky Morning, Sky Morning, avec William sur Skyrock. Thank you.
les matins, 6h, 10h, Sky Morning, Sky Morning, avec William sur Skyrock. Oh, on l'a pris 30 secondes, la série, on est déjà épuisé. Ah là, il nous a épuisé pour la soirée. Ah, Pascal, là. Ah, les cris qui poussent. Mais c'est quoi, il se met un bâton dans le cul quand il parle au téléphone ou quoi? Peut-être. Je sais pas ce qu'il nous a fait. Mais il se passe un truc, hein. Bon, alors, on va y réessayer. Pascal? Allô? Ah, bah bon. Ah. C'est mieux, Pascal? Oui. Comment ça va? Bonjour, oui, Pascal. Alors, par rapport à la. Si tu viens du Kosovo, là. Oui, il trouve que, les militaires français, ils sont mal habillés. Ils ont aussi carrément la sans gêne, là. Ils ont plus de respect par rapport à l'armée française. Hein. Ah, ah, Pascal, il est pas content. Il se rebelle. Il respect, quoi. Pour des branleurs qui foutent rien de la journée, oh. Oui. Parle plus loin du téléphone, Pascal, c'est pénible. Sors-le de la bouche, Pascal, le téléphone. Tu es en train de nous défoncer l'oreille. Comment? Éloigne un peu le téléphone de la bouche. Ah ouais, mais je suis dehors. Bah, t'es pas une raison pour bouffer le téléphone quand t'es dehors, Pascal. Ah ouais. Parle normalement, c'est bon, t'entends. Bon, Pascal, à part les problèmes vestimentaires de l'armée, qu'est-ce qui t'amène? Je vous appelle au sujet de. Du deuxième Pascal le militaire, là. Oui, tu veux faire un disque avec lui, je sais. Pas un disque, mais des sketchs. Des sketchs? Ah, maintenant ça a changé. C'est les nouveaux Eric et Ramzy, Pascal et Pascal 2. Le nouveau comique. On a déjà la musique pour l'arriver sur scène. Allez, hop là. Ah, Pascal. Qu'est-ce que tu dis? L'emmener au love, tu l'as pas. Ah oui, il faut l'enfermer dans le love et on va rappeler Castaldi là tout à l'heure. Bah, Benjamin, on va t'appeler, on va te refiler Pascal le militaire pendant 2 mois là. Ah, et ça va pas vous faire de mal jusqu'au 5 juillet avec le mec. Et là-bas-dedans. Ça leur fera du bien dans le love. Parce que ça va mettre de l'ambiance, quoi. Oui, là ils partent les uns derrière les autres, il se passe de moins en moins de trucs à l'intérieur. Donc c'est vrai, hein. Un petit coup de Pascal le militaire, à mon avis, on est. Ah, ça remonte bien, en fait. Oui. Oh, au sujet du love. Oui. J'ai mon programme télé, tu vois. Bonjour, je suis Benjamin Castaldi. Oui, on t'avait reconnu, Benjamin. Vous avez parlé de moi. Oui. Ouais, on va t'appeler tout à l'heure. Il y avait un journaliste qui questionnait le type du love story et il disait, ouais, au niveau sécurité, comment ça se passe? Bah, on a dû renforcer la sécurité, il disait, parce que depuis qu'un auditeur de Skyrock est rentré dans le love. Ah oui, je peux dire qu'on a donné du travail aux vigiles, nous, hein. Tous les matins, 6h, 10h, Sky Morning, avec William sur Skyrock.